Bonjour à tous, ici Dingo Darwan. Aujourd'hui, on va tester les derniers écouteurs de chez Nainka, le modèle Live Pro. On va faire le petit tour de la boîte, le déballage. On va voir bien sûr toutes les caractéristiques ensemble. Moi, je vais les tester quand même quelques semaines. Ensuite, on se revoit pour la conclusion. Allez, maintenant, on passe au déballage. Allez, ils nous ont fait quand même une jolie boîte avec une écriture qui change selon le reflet. Donc de la lumière, donc ça je trouve ça sympa. Ils ont mis le meilleur cadeau, ok. Donc ils disent déjà, hein, si vous voulez l'offrir hein, directement. Ici, faites la mise à jour de votre expérience son. Et ils nous ont mis pareil ici. Voilà, ils nous ont rien mis sur les côtés. Voilà, bon, à l'arrière, ils nous mettent la photo du produit, hein, donc c'est déjà bien. Leur marque, ils nous disent que c'est des vrais écouteurs stéréo sans fil. Ils nous mettent ici bah, que c'est du Bluetooth 5.0, alors que dans la caractéristique, j'espère qu'ils se sont trompés sur la boîte, puisque dans la caractéristique, ils nous disaient que c'était du Bluetooth 5.2. Et le Bluetooth 5.0, bah, ça a une distance de connexion que de 10 mètres, alors que le 5.2 a une connexion à une distance de connexion de 20 mètres. Bien sûr, si on parle de qu'il n'y a pas d'interférence, bien sûr. Mais là, on double la distance de connexion. Et bah, c'était l'un des caractéristiques de ces écouteurs. Et là, je vois qu'ils nous mettent que du Bluetooth 5.0. Donc, j'espère qu'ils se sont trompés sur la boîte. Bon, on va vérifier ça. De toute façon, la distance de connexion, je vous le dirai. Hein, si ça, on peut aller au-dessus des 10 mètres ou pas. Bien sûr, hein, par rapport à d'autres écouteurs, hein, je sais plus ou moins dans ma maison, même avec les murs, jusqu'où je peux aller. Donc on va le savoir très très vite si dans les caractéristiques sur le site, ils nous mentent ou ils nous disent la vérité. Là, ils nous mettent du AAC. Donc ça, c'est le codec audio pour tout ce qui est iPhone. Hein, donc c'est compatible Apple, hein, les iPhones et tous leurs produits. Et c'est aussi aptX, hein, c'est le codec aptX utilisé par les puces Qualcomm. Mais ce qui m'aide pas au fait, c'est qu'ils nous disent que c'est dans les caractéristiques, c'est de la aptX HD. Ici, ils nous mettent que de la aptX et bah, le débit change selon que ce soit HD ou pas. La aptX tout court, ben, c'est le débit de 350 kilobits par seconde, alors que la aptX HD, là on sera sur un kilobit de 576-576 par seconde. Et ben, bien sûr, plus on a de kilobits, plus, ben, plus le son sera bon. Là ils nous mettent que aptX, ils auraient dû mettre aptX HD. Bon, j'espère que c'est juste au niveau de la boîte qui a cette erreur là, hein, comme le Bluetooth, ça on verra. Et ils nous ont mis un réducteur de bruit ENC. Bon, on va voir s'il est efficace hein, pour les bruits ambiants d'extérieur, hein, ça c'est bien. Donc ça rend aussi une meilleure qualité audio quand on écoute, quand on est à l'extérieur. Donc ils nous ont mis une ouverture de 13 mm au niveau des drivers, hein, ce qui est assez grand, ce qui est large, ce qui permet une bonne écoute apparemment. Ils nous mettent que c'est une connexion flash des deux écouteurs, donc ils se connectent entre eux directement. Donc ça c'est bien parce que l'ancienne technologie, j'ai encore des messages pratiquement tous les jours sur les anciens modèles que j'ai testés il y a 3-4 ans. Et c'est vrai que l'ancienne technologie, bah, les écouteurs, bah, il fallait avant de les connecter sur son téléphone, souvent les connecter ensemble, puis connecter sur le téléphone. Le poids, ils mettent en avant le poids, hein, c'est des petits écouteurs qui pèsent moins de 4 grammes, normalement ils pèsent 3,8 grammes selon la description. Donc c'est des écouteurs fabriqués en Chine, à Shenzhen, voilà, modèle Live Pro comme on voit ici. Allez, maintenant on va passer au déballage. Allez, on va ouvrir cette petite boîte. On va enlever déjà le film protecteur. Alors, je suppose que ça se coulisse. Voilà. Et ici, ça s'ouvre. Ok. Voilà. Donc, je vous montre
Alors, ils sont vraiment petits, hein. C'est vraiment une petite boîte. La boîte qu'on a vraiment. Ici, on a un truc vraiment pour dans le transport, vraiment épais, absorbant hein, les chocs. Ok, donc ça c'est bien. Et la boîte est vraiment très très petite, hein. C'est vrai que quand on voit bah, la grandeur de l'emballage, bah, on est étonné de voir des petits écouteurs comme ça. Mais la boîte, elle est bien finie, hein. Elle est bien finie. C'est beau, hein. Oh, j'aime bien. Là, c'est le modèle blanc, mais on l'a aussi en noir, hein, le modèle. Ici, on voit le port USB type C. Là, ils ont mis une belle finition chromée ici, du chrome ici. Vraiment, c'est bien. J'espère qu'avec le temps, ben, ils se détériorent pas, hein. J'espère qu'ils ont mis de la bonne qualité. Ici, ils ont mis une charnière. Je sais pas si c'est de l'aluminium ou quoi, mais on dirait de l'aluminium en tout cas. C'est vraiment beau. Normalement, si on ouvre la boîte comme ça et qu'on a fait une première connexion au téléphone, ça on verra dans la phase connexion au téléphone. Voilà. Et si on ouvre comme ça les écouteurs, la boîte plutôt, si on ouvre comme ça la boîte, bah, si on a déjà fait une première connexion, les écouteurs bah, vont se connecter directement. Ici, on voit pas de lumière, on voit rien. Peut-être la boîte elle est sûrement déchargée. Donc ça, on va la charger. De toute façon, il faut faire toujours une belle première recharge avant de tester. Tout cas, moi j'aime bien. C'est vraiment joli, ça tient bien en main. Vraiment, c'est beau. Donc ils nous disent aucune indication. En général, ils nous disent au moins une petite indication. Ils le notent sur la batterie et tout des écouteurs, peut-être à l'intérieur. Je vais prendre un écouteur, tiens. C'est vrai que je ne vous ai pas montré. Mais vraiment, ils sont beaux. Donc on voit, hein, ils ont un peu copié sur les AirPods. Hein. Donc ici, c'est pas un bouton. Hein. C'est pas un bouton qu'on peut presser, c'est un bouton tactile. Hein. Donc il faudra faire des manips. Ça c'est toujours un petit peu délicat quand on doit faire des manips. C'est vraiment. En tout cas, il est beau. Hein. Bon, il a l'esthétique de l'AirPod. Hein. Voilà. Peut-être un peu plus épais ici. Hein, parce que je sais que les AirPods, c'est vraiment très très fin ici. Hein. Donc, c'est pas une vraie copie. Hein. C'est pas une copie non plus. Hein. Ils ont choisi ce style-là. Hein. Mais c'est pas une copie. Hein. Ils n'ont pas pour but de copier Apple. Hein. Mais bon, ils ont choisi ce design-là pour que ça tienne bien aussi à l'oreille. Ce que je peux comprendre. Voilà. Parce qu'on va vérifier aussi s'ils tiennent bien à l'oreille. Voilà. Mais vraiment, c'est sympa. Hein. Vraiment, déjà juste en ouvrant et en fermant la boîte, on sent la qualité. Sur ça, je suis content. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a sûrement des petits câbles. Bah, ils nous fournissent le câble de recharge, hein, USB type C, comme on voit ici. Voilà. Bon, je sais pas s'il y a un adaptateur secteur, je pense pas. Ça, c'est le problème de tous les nouveaux appareils, hein. Ils ne fournissent pas l'adaptateur secteur. Bon, soit on branche directement sur, si on a une batterie externe, bah, on peut brancher directement sur une batterie externe, sinon on branche directement bah, les télés, maintenant ils ont des ports USB, les ordinateurs, voilà, on peut recharger via comme ça, ou même sur sa box Wi-Fi, hein, ils ont des ports USB, on peut recharger aussi sur sa box Wi-Fi si vous le désirez. Ça sert aussi d'alimentation USB. Donc là on a le manuel, je sais pas s'il y a du français ou quoi, je pense pas, on a juste de l'anglais et du chinois. Ouais, on a juste de l'anglais et du chinois. Voilà, ils nous disent comment utiliser. C'est dommage, ils l'ont mis dans cette boîte-là. Ils nous l'ont un peu plié. Je comprends pas pourquoi ils l'auraient pas mis droit à l'intérieur. C'est étonnant, c'est spécial. On va regarder s'il y a autre chose. On dirait qu'il y a autre chose. Mais c'est vraiment, c'est étonnant, ouais. Donc on a bien une indication LED au niveau de la charge, donc rouge, bleu et vert.
Donc quand c'est rouge, ce sera ben, c'est donc l'alimentation est inférieure, donc la batterie est inférieure à 30%. Bleu, quand c'est entre 30 et 60, et quand c'est vert, c'est supérieur à 60. Donc ça ne veut pas dire quand c'est vert que c'est 100% chargé. C'est ça aussi qu'ils veulent dire. Ok, bon, je vais vous montrer ça plus tard. Donc il faut le temps aussi que j'apprenne à utiliser. C'est ça que je voulais voir dans le manuel, et je me suis perdu sur les autres choses. Ici, le Bluetooth 5.2. Donc ils ne nous ont pas menti, c'est plutôt sur la boîte. Bon, en tout cas, je vais vérifier quand même. Bah, c'est sûr, je vais vérifier. Mais ils nous ont mis du Bluetooth 5.2. Donc ça c'est bien. Donc la puce intérieure du Quadcom, comme ils ont dit, 3040. Ok, parfait. Les écouteurs, ils ont une batterie de 40 mAh. Et ici, ils nous disent que la boîte a 400 mAh. Alors que dans les caractéristiques, il nous disait que la boîte avait une batterie interne de 350 mAh. Ok. Donc il nous dit 5 à 6 heures. Il nous disait, ça c'est quand on mettait en mode de... En fait, il y a un mode jeu, un hein, mode de gaming, pour la latence. Et il disait quand on mettait dans ce mode-là, on pouvait faire 5 à 6 heures. Alors qu'en mode normal, on était à 7 heures d'autonomie. Là, ils nous disent directement 5 à 6 heures. Donc ça réduit aussi la charge et nous disait en tout 28 heures d'autonomie. Là, ils nous mettent en tout 20 heures si les écouteurs sont chargés. Ils ont mis vraiment ici minimum de caractéristiques et vaut mieux faire confiance dans le manuel plutôt que dans les caractéristiques. Mais c'est bizarre que dans les caractéristiques du site, ils nous disent... Pas des choses voilà, bon, je vais leur signaler quand même parce que c'est pas clair. Donc là ils nous mettent le poids 3,6 grammes, sur le site ils disaient 3,8 grammes, on va peser, et la boîte de recharge 37 grammes. Ok, donc ils nous donnent une garantie de 12 mois. Ok, dans la boîte on a la boîte de recharge, on a les écouteurs hein, au nombre de deux. Charge une câble, donc le câble de recharge, une pièce, et le manuel, une pièce. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien dans la boîte. Hein. Je pense que le fond ici est épais, mais je pense que c'est un fond où il n'y a rien du tout. Ouais, vraiment, il n'y a rien. C'est garder l'épaisseur de la boîte. Et la moitié, bon, c'est pour le transport, hein, je suppose. Mais c'est vraiment. Je vois pas pourquoi faire ça. Bon, c'est une boîte OK pour cadeau, hein, comme ils disent. Mais c'est vrai que. Bon, ça fait qualitative. Mais on s'attend à avoir plus de choses à l'intérieur. C'est vrai que bon, ok, bon, ok, je veux bien. C'est leur choix, ok. Je trouve ça un peu du gaspillage, quoi. Bon. Le principal, c'est que les écouteurs sont de bonne qualité. Ici, on voit, ont une bonne finition. Ok, ça c'est bien. Bon, on va les recharger. Je vais les mettre en charge et après on va passer à la connexion au téléphone. Alors on va recharger d'abord les écouteurs. Donc une chose que je pense pas forcément à faire en vidéo, c'est tester le câble qu'ils fournissent avec. Et c'est vrai que parfois j'ai eu des retours, hein, c'est par malchance, ben, vous recevez un câble défectueux. Et moi comme j'utilise mes propres câbles, bah, c'est vrai que je pense pas forcément à utiliser donc à utiliser le câble de la marque. En général, il reste dans la boîte. Bon, je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'utilisent pas les câbles qui sont fournis parce que déjà ils sont vraiment courts et sont pas pratiques. Bon, celui-là a l'air d'être une de bonne fabrication. Voilà. Bon, j'ai pris un adaptateur qui est à moi, hein, je sais qu'il fonctionne. Bien sûr, vérifiez aussi l'adaptateur hein, si vous ne branchez pas directement sur l'USB par exemple de votre télé ou autre. Mais on va vérifier ça.
Donc le câble, bon, il est épais, hein, il m'a l'air d'être de bonne fabrication. Allez, on branche. On va attendre un petit peu pour voir. Je vais allumer ma multiprise aussi. Et là, on voit, oui, donc ça, le câble, il fonctionne bien. Donc là, ça clignote rouge, c'est normal puisque la batterie est vraiment à plat. Donc d'habitude, je reçois les écouteurs, ils ont quand même de la charge. Ici, la batterie est vraiment complètement à plat. Ici, on a 1 heure de charge. Donc d'après le manuel, on est entre 30 et 60% puisque ça clignote bleu de batterie à l'intérieur. Donc après 1 heure, bon, on va regarder après par la suite combien de temps ça prend, bien sûr, je vous dirai le temps total que ça a mis pour charger complètement les deux écouteurs à l'intérieur plus la boîte de recharge. Maintenant, on est à 1h30 de charge, ça clignote vert. Les batteries sont chargées. On voit la lumière LED ici qui a arrêté de clignoter. Donc une fois que ça a arrêté de clignoter, vous savez que la batterie est complètement chargée. Donc ça a mis environ 2 heures. Donc avec les écouteurs bien sûr à l'intérieur, les écouteurs sont chargés, la boîte est chargée. Donc tout est complètement chargé. Donc on voit ici que dès qu'on a ouvert la boîte, les écouteurs s'activent et sont prêts à être connectés à votre téléphone. Une fois que vous avez utilisé vos écouteurs et que vous avez remis dans leur boîte, donc les écouteurs vont être en charge et vous allez voir que la lumière va être blanche puisque les écouteurs vont se charger. Une fois que les écouteurs sont 100% chargés, la lumière blanche va s'arrêter et la boîte va arrêter de charger vos écouteurs. Donc ça, c'est super pratique. On ouvre la boîte pour qu'il se connecte. Donc il y a une lumière verte, ça va revenir à une lumière blanche. Donc quand vos écouteurs, donc ça va, la boîte va vérifier que vos écouteurs sont chargés ou non. S'ils ne sont pas chargés, la lumière blanche va rester pour charger les écouteurs. Une fois que la boîte a repéré que vos écouteurs sont 100% chargés, la lumière va s'éteindre. Allez, on va connecter maintenant les écouteurs à son téléphone. Donc on va sur son téléphone dans les paramètres Bluetooth. Une fois qu'on est dans les paramètres Bluetooth, ici vous avez les appareils disponibles. Il suffit, donc comme ils disent dans le manuel, d'ouvrir la boîte. Ça s'allume en vert ici. Voilà. Je peux enlever les écouteurs de leur boîte, hein, ce qu'ils disaient dans le manuel, c'est pour la première connexion. Les écouteurs normalement se connectent entre eux tranquillement. Là, on va cliquer si ça ne fait pas recherche. On clique et là, on voit Nainka Lite Pro. Donc, ça a retrouvé tout de suite. Donc, je clique dessus. L'appairage est en cours. Je peux autoriser l'accès au contact et l'historique des appels. Bon, il n'y a pas d'intérêt, hein, ce sont des écouteurs. Je fais associer. Et les écouteurs sont connectés et ils sont bien 100% chargés, donc on voit bien l'autonomie. Voilà. Maintenant, pour les éteindre, je les remets dans leur boîte. Donc ils sont dans leur boîte, on peut fermer la boîte, normalement ils se déconnectent. Donc ça s'allume en blanc ici. Voilà, la lumière blanche s'est éteinte. Maintenant, si je veux les reconnecter, normalement, il suffit que j'ouvre la boîte et les écouteurs vont se connecter à votre téléphone automatiquement. Voilà, donc on a vu ici que les écouteurs sont connectés et ils sont en mode aptX. Donc, puisque moi j'ai un téléphone Android. Si vous êtes sur un iPhone, c'est les mêmes connexions et vous serez en mode double AC. Et je peux renommer les écouteurs si je le souhaite, si je rentre plus dans les paramètres, si vous voulez les renommer autrement, vous pouvez les renommer autrement, c'est vous qui voyez. Donc je les déconnecte. Ça va se déconnecter, voilà, ça s'est déconnecté. Donc c'est très très simple, hein. Donc sur ça, bon, si je veux maintenant utiliser qu'un seul écouteur, c'est simple aussi, j'ouvre la boîte. Je prends l'écouteur droite ou gauche, hop, je prends l'écouteur ici, par exemple.
L'écouteur bah, qui restait dans la boîte va s'éteindre, se déconnecter, et celui-là va rester connecté. Ici, vous allez voir, ça ne va pas se déconnecter, puisqu'il y en a un seul qui, ça suffit pour se connecter. Voilà. Si je veux déconnecter l'écouteur, c'est très simple. Voilà. Je remets dans la boîte. Et ça se déconnecte. Voilà, très très simple. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, je teste le micro des écouteurs Nanka modèle Live Pro. On va voir ensemble si le son est bon ou mauvais ou vraiment donc pas terrible. Donc ça, on va voir ensemble. Donc vous allez vous avoir votre avis. Moi, je vais mettre le son ici dans la vidéo. Vous allez voir si le son est correct ou à jeter. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Cette fois-ci, on teste le son des écouteurs de chez Nanka modèle Live Pro sur le téléphone pour voir si le son est meilleur que sur Windows au niveau du son du micro des écouteurs. À mon avis, le son sera bon. J'ai pas de doute là-dessus, puisqu'en appel, on m'a dit que le son était bon. On voyait pas de différence si j'étais avec les écouteurs ou sans les écouteurs. Donc pour moi, c'est très très bon. Regardons les différentes fonctions de la touche tactile. Donc on allume les écouteurs. Voilà. Je vais sortir les deux de leur boîte. Donc ils sont indiqués ici, on a le droit et ici, on a le gauche. Voilà, je peux refermer la boîte. Les écouteurs vont rester connectés. Donc on voit ici que les écouteurs donc, sont bien connectés au Bluetooth. Donc là, on voit que je suis sur mon lecteur de musique. Si je veux faire play, pause, il faudra appuyer deux fois, soit sur l'écouteur gauche, soit sur l'écouteur droit. Donc par exemple, je prends le droit, je fais 1, 2. Donc il faut... Dans l'oreille, c'est plus pratique puisqu'on a un support et on entend un petit bip si la commande a bien été faite. 1, 2. Voilà. Donc là, on a bien fait play, pause. Donc on a fait play plutôt. Et là, si je veux faire pause, 1, 2. Voilà. Donc je peux faire l'inverse. Hein, les deux, 1, 2. 1, 2. Voilà. Donc là, la musique est en marche. Maintenant, si je veux changer de musique, bah là, il faudra soit utiliser le droit ou le gauche. Donc si je veux aller sur la chanson suivante, là, il me faut l'écouteur droit. Donc je prends l'écouteur droit et là, je dois cliquer pendant 2 secondes. 1, 2 et je relâche. Voilà. Faites attention, si vous restez trop appuyé, vous risquez d'éteindre votre écouteur. Donc il ne faut pas rester appuyé longtemps, il faut bien essayer de respecter les 2 secondes. Donc si je veux la chanson précédente, donc il faudra utiliser l'écouteur gauche que j'ai ici. Et il faudra aussi rester appuyé 2 secondes. 1, 2. Voilà, je lâche et on est sur la chanson précédente. Voilà. Donc la chanson suivante, 2 secondes avec l'écouteur droit. Et la chanson précédente, 2 secondes avec l'écouteur gauche. Je veux augmenter, donc on peut augmenter le volume. Ce que j'ai constaté, c'est que il ne dit pas si on est au minimum ni au maximum du volume. Bien sûr, ça va suivre le volume qu'il y a sur votre téléphone. Donc ça ne va pas augmenter le volume sur votre téléphone. Si vous voulez augmenter le volume du téléphone, du son, en fait, de la musique, il faudra aller quand même sur votre téléphone. Mais si vous voulez augmenter le volume des écouteurs, vous pouvez le faire. Vous pouvez baisser aussi, mais ce sera le volume des écouteurs, pas du téléphone. Donc on peut complètement atténuer le son avec les écouteurs. Il faudra appuyer une fois sur le droit pour augmenter le volume et appuyer une fois sur le gauche. Donc une fois comme ça pour augmenter. On entend un bip dans les écouteurs. Là, je ne serai pas vous faire entendre puisque le bip, on l'entend très bien dans les oreilles, mais
comme ça je ne serai pas vous faire l'entendre. On peut aussi activer l'assistant Google ou Alexa avec les écouteurs. Moi, je n'ai pas paramétré ça, je vais vous montrer. Donc, il faudra utiliser l'écouteur gauche. Donc, je prends l'écouteur gauche, seulement le gauche. Donc, il faudra appuyer trois fois. 1, 2, 3. Voilà. Et là, je n'ai pas paramétré exprès comme ça. On peut voir que je peux choisir entre l'assistant Google ou Alexa. Si je fais ce souvenir de mon choix, bah, ce soit l'assistant Google qui va être activé ou l'assistant Alexa. Donc ça, c'est à vous de voir quel assistant vous voulez que vous utilisez plutôt sur votre téléphone. Moi, j'utilise les deux pour les tests et tout. Sinon, j'ai plus tendance à utiliser Alexa actuellement. Si je tape trois fois, donc il faudra utiliser l'écouteur droit. 1, 2, 3. Là, normalement, là, vous ne l'entendez pas, mais si on a les écouteurs à l'oreille, on entend un personnage de jeu vidéo. Je ne sais pas c'est lequel, mais on entend un genre de personnage de jeu vidéo qui nous dit que le mode jeu est activé. Voilà. Trois fois, appuyez trois fois sur l'écouteur droit. Si je reçois un appel, il faudra taper deux fois pour répondre, peu importe l'écouteur. Donc on tape deux fois. 1, 2, et je peux décrocher l'appel. Et pour raccrocher, il faut aussi taper deux fois. Si vous ne voulez pas l'appel, soit vous laissez filer, soit il faudra faire la manip de rejeter l'appel. Et là, il faudra faire appuyer 2 secondes. Donc 2 secondes, c'est comme si vous faisiez musique suivante ou précédente. Donc peu importe l'écouteur, c'est un apprentissage à faire. Donc ça s'apprend avec le temps. Une fois qu'on a les écouteurs, ben, on apprend tout simplement à les utiliser. Ça prend un peu de temps à apprendre les manips. Pour les mettre dans les oreilles aussi, c'est un peu délicat puisque c'est une fonction tactile. Moi, je vous conseille pour les mettre dans les oreilles de les prendre par la tige ici et par le rebord ici, comme ça, et mettez-les dans vos oreilles. N'appuyez pas sur le centre ici où il y a la touche tactile, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc, pour les mettre dans les oreilles, hop, comme ça. Sinon, bah, vous risquez d'appuyer et ce sera désagréable si vous activez la musique et le son de votre téléphone est super fort, ça peut vous être désagréable. Donc il suffit de les prendre comme ça. Si vous les prenez bien, il n'y a pas de problème. En plus, on peut bien les rentrer dans son oreille si on les prend comme ça. Mais sinon, c'est vrai que la touche ici est vraiment très très sensible. On risque fortement de changer, on risque pas de faire de gros changements, hein, mais bon, c'est embêtant que on peut activer certaines fonctions, surtout activer la musique par exemple. Maintenant qu'on a vu les différentes fonctions de ces écouteurs, on va passer à ma conclusion. Allez, passons à ma conclusion. Donc les écouteurs, au départ, avec mon petit tour de la boîte où j'ai vu la petite fausse information avec le Bluetooth 5.0, 5.2, au niveau de l'APTX et tout ça, je me suis dit, ça part mal. En déballant, quand j'ai vu ben, le contenu de la boîte, ben, on a le nécessaire, hein, on a les écouteurs, on a le câble de recharge, on a le manuel. Mais quand je vois la taille de la boîte et ce qu'on a dedans, j'ai trouvé ça un peu du gaspillage, même si l'esthétique est beau, j'ai quand même trouvé ça un peu du gaspillage. Bon. Maintenant, on est 2 semaines après que je vous donne mon avis sur ces écouteurs. J'ai laissé tourner le son. Je sais pas si vous avez entendu un peu le son. Bon, je serais malheureusement... Hein, j'ai pas le matériel pour vous faire écouter le son réel que sort ces écouteurs. Il y a du matériel qui existe, mais qui coûte quand même une belle fortune pour vous faire écouter le son des écouteurs comme si vous écoutiez vous-même. Et de toute façon, avec YouTube et tout ça, le compressage vidéo et tout, et du son, vous n'allez jamais avoir le son identique que moi j'ai dans l'oreille. Mais bon. Avec
ces écouteurs vraiment au niveau du son 2 semaines après que je vous les teste. Ben, ils m'ont bluffé quand même au niveau de la qualité sonore. Ils ont de bonnes basses, hein, vraiment de bonnes basses, de bons aigus, de bonnes graves. Donc, au fait, le son, quand il sort super bien. Et ça, vraiment, ça m'a plu. Vraiment, au niveau de la qualité sonore, si vous achetez ces écouteurs, si vous pensiez aussi à les acheter, ben, vous n'allez pas être déçu. Au niveau de la boîte, ben, moi aussi, j'ai aimé. Bah, vous sortez les écouteurs. Moi, j'aime bien ce système-là. Donc, vous rentrez les écouteurs, vous les sortez. Mais il faut les mettre dans le bon sens. Mais voilà. Vous fermez la boîte. Les écouteurs, bah, vont tout de suite se déconnecter, bah, de votre téléphone. Vous les sortez. Bah, même pas besoin de les sortir, hein. Vous ouvrez juste la boîte. Ouais, ils vont se connecter. Ici, je ne sais pas si vous voyez au niveau du Bluetooth, c'est un peu flou pour vous, je suis désolé, mais les écouteurs se sont connectés. On ferme la boîte, les écouteurs se déconnectent. Donc vraiment au niveau de rapidité de connexion, vous n'allez pas avoir mieux. Et aussi au niveau fonctionnalité, ben, si vous voulez juste utiliser un seul écouteur, ben, pour servir d'oreillette, vous pouvez le faire. Le micro, vous l'avez entendu, donc sur téléphone, ben, il est bon. Mais je trouve ça, le micro est très bien. Vraiment, il est très bien. Même les interlocuteurs, quand je recevais un appel, c'est comme si qu'on parlait avec le téléphone. Donc, c'était très bien. Au niveau du PC, donc, au niveau, si on veut l'utiliser sur un PC, on peut le faire. Mais au niveau du micro, ça dépend le logiciel qu'on va utiliser et tout ça. Ça peut saccader. L'interlocuteur ne peut pas trop entendre. Ça reste du Bluetooth, hein, connexion Bluetooth. Si c'est pas fait pour ça, hein, comme les casques et tout, avec leur base spéciale qui capte vraiment le Bluetooth du casque et tout. Ici, moi, j'ai mon Bluetooth de mon PC. J'ai un USB dongle Bluetooth qui capte. Je sais pas si c'est ça qui fait bien. J'ai un autre PC portable, j'ai testé aussi, c'est identique, donc j'ai pas, je pense pas que c'est là-dessus. Ça dépendra du logiciel. Donc, si vous voulez utiliser vraiment pour discuter tout ça sur Internet, je suis mitigé. Donc, le son ne sera pas vraiment très bon pour votre interlocuteur. Pour vous, vous allez très très bien l'entendre, mais au niveau de l'interlocuteur, ça, au niveau du micro, non. Si vous voulez juste écouter du son et tout ça via votre PC, ils sont vraiment parfaits sur ça, hein. Moi, j'ai écouté, je vais sur Twitch et tout. J'ai écouté les gens sur Twitch et tout. Bah, c'était parfait. Bon, sur ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus, sauf du micro au niveau du PC, au niveau de Windows. Malheureusement, je ne sais pas vous le tester. Je ne sais pas vous tester ces écouteurs sur un iPhone, puisque je n'ai pas d'iPhone, ni sur les Mac. Donc, ça, je ne saurais pas vous dire mon avis là-dessus, puisque je n'ai pas testé. Mais je sais que. Il fonctionne, vous pouvez l'utiliser sur iPhone sans problème, ça fonctionnera, c'est une connexion en Bluetooth, hein, sans normal, donc vous allez savoir connecter facilement sur vos iPhones. Maintenant, on va parler un peu de l'autonomie. Là, j'étais un peu déçu parce qu'ils nous annonçaient dans les caractéristiques du site 28 heures. Dans le manuel, déjà, on avait une anomalie, puisqu'ils nous annonçaient dans le manuel que je retrouve ça. Voilà, j'ai repris le manuel. Il nous annonçait 20 heures. Donc si on avait rechargé les écouteurs, puisqu'on peut faire 3 recharges plus les écouteurs chargés, donc on peut tenir 20 heures. Et on peut tenir réellement 20 heures. Donc dans le manuel, ils ne mentent pas, mais sur leur site, je ne vois pas pourquoi ils nous mettent une indication de 28 heures alors qu'on peut tenir 20 heures. J'ai testé le mode gaming, j'ai pas moi forcément, j'ai pas une oreille pour entendre la différence au niveau de la latence. Parce que quand on écoute sur YouTube, quand on regarde plutôt une vidéo sur YouTube et qu'on écoute aussi avec les écouteurs, bah, j'ai pas vu de différence de latence quand c'était le mode gaming ou pas. Sur mon PC, j'ai testé en jeu pour voir le son, hein, au niveau du jeu. J'ai pas repéré non plus de latence, que ce soit en mode jeu ou mode normal. Donc ils disent que ça consomme plus en mode jeu. Ok. J'ai pas su vous tester au niveau de l'autonomie des batteries.
en mode jeu est normal si la batterie se vidait plus vite ou pas. Bon, je suppose que s'ils le disent que la batterie se vide un peu plus vite si on est en mode jeu, ça consomme plus de ressources. En tout cas, moi j'ai tenu 20 heures. La réduction de bruit, bon, si vraiment le son est fort à l'extérieur, vous allez toujours entendre le son de l'extérieur. Bon, il y a une atténuation, c'est vrai, le son reste toujours nickel si on est à l'extérieur, mais sinon, les écouteurs font le travail. Donc sur ça aussi, j'ai rien à dire. Au niveau du micro, j'ai essayé de faire du bruit à côté au niveau du micro. Donc le micro atténue le bruit. Donc c'est vrai que si vous êtes en pleine rue et tout ça, et vous discutez avec quelqu'un, ben le micro va faire son travail au niveau de l'atténuation du bruit ambiant sonore. Donc il va capter vraiment votre voix. Et ça, c'est bien. Maintenant, parlons du Bluetooth. Donc dans le manuel, ils nous disent bien que c'était du Bluetooth 5.2 sur la boîte du Bluetooth 5.0. Je ne connais pas le Bluetooth 5.2. C'est trop récent aussi. J'ai pas d'appareil en Bluetooth 5.2. En général, j'ai des appareils en Bluetooth 5.0. Là, ils nous disent qu'avec le Bluetooth 5.2, on peut atteindre une distance de connexion des écouteurs par rapport au téléphone de quand même 20 mètres. Donc c'est le double du Bluetooth 5.0. J'ai testé, on a la même. C'est tout à fait identique. On peut atteindre une distance de 8 mètres si on a des interférences et tout ça. En tout cas, chez moi, je peux atteindre une distance de 8 mètres maximum quand je suis loin de mon téléphone. J'ai fait les mêmes expériences avec les autres écouteurs. Je pouvais m'éloigner maximum que de 8 mètres, que ce soit le Bluetooth 5, Bluetooth 4, ou ici on dit 5.2. J'ai la même chose. Donc la connexion, c'est vraiment identique au niveau de la distance de connexion. Donc si vous voulez vraiment vous éloigner de votre téléphone, en général, la distance est importante. Si vous faites du transport en commun, il y a plein d'appareils autour qui font interférence. Ça, je peux comprendre que quand vous mettez ça dans votre poche, que même si vous êtes proche, il peut avoir des interférences. Mais ici, ça va. Donc la connexion va rester stable, même si vous êtes en transport en commun et tout ça. Les écouteurs, quand même, vont bien gérer la petite distance de connexion entre vos écouteurs et votre téléphone, si vous mettez, bien sûr, votre poche ou votre sac, tout ce que vous voulez. Donc ça, sur ça, il gère bien. Comme les autres écouteurs que j'ai testés, ça gère bien. Après, moi, l'esthétique m'a vraiment plu. L'USB type C, tout ça, en plus la finition, ils ont mis du chrome et tout. La boîte ici chromée. Vous allez peut-être pas le voir ici. J'essaye de vous mettre un bon éclairage pour que vous puissiez voir. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est peut-être en production, hein, c'est peut-être pas tous les lots, ils sont comme ça, mais j'ai une différence de couleur. Ici, on voit, c'est un blanc un peu plus cassé. Ici, c'est vraiment un blanc plus blanc, mais ici, on a un blanc un peu plus cassé. Donc, on aura une petite différence là-dessus. C'est vraiment, vraiment très, très léger. On le remarque vraiment à peine. La charnière. Je me suis dit, allez, si je force, ils ont prévu, hein. Donc même si vous forcez, bien sûr, si je force, 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 la charnière, vraiment, ça bloque. Donc on sait pas vraiment, on peut pas vraiment la casser. Vraiment, il faut vraiment le faire exprès si on veut casser cette charnière. Donc sur ça, j'ai rien à dire. La batterie, j'ai eu certains écouteurs où la batterie se déchargeait toute seule. Comme ça, les écouteurs se connectaient en se baladant et tout ça, tout seul au téléphone. Ils se réveillaient comme ça d'un coup tout seul. J'ai pas eu le défaut pour l'instant sur ces écouteurs, donc la batterie ne se vide pas. Donc sur ça, je suis content aussi. Le prix aussi, il est un peu élevé. Bon, si on veut l'esthétique et tout des AirPods avec une bonne qualité de son et tout, faut mettre le prix. Les écouteurs. Je sais pas, je pense que les AirPods ça coûte une 150aine d'euros. Ici, on est sur 50 euros. Bon, pour 50 euros, vraiment, avec l'esthétique, la boîte et tout, qui est vraiment bien. Donc, moi j'aime bien. Vraiment pratique. Connexion, je vais rendre fou la connexion. La lampe LED aussi qui est pas dérangeante sur
Bah, sur les écouteurs, hein, je trouve ça vraiment, ce design-là, vraiment, il est beau. Ce que je peux lui reprocher aussi, c'est le tactile. Le tactile des écouteurs, vraiment, qui est trop sensible. Au début, c'est sûr, vous n'allez pas avoir une bonne prise en main des écouteurs. Donc, vous avez tendance à appuyer ici et activer, bien sûr, le son sur votre téléphone. Allez, si vous avez besoin encore des infos sur ces écouteurs, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter via mon site internet, mon blog ou bien sûr les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions sur ces écouteurs. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. Your touch, and I will show you just one's enough. Our blood is flowing now, but no, go hard, but no, a spark, but no. What am I doing wrong?